Nang's Reborn. Wow! Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Reborn. Nous revenons sur l'affaire de l'influenceuse du moment qui s'appelle la croqueuse des diamants. Cette jeune fille qui partage de l'argent aux gens pour les aider, c'est tout hors du commun. Elle est ici. Waouh! Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Et dans cette vidéo, les gens vont nous dire qu'ils ont vraiment reçu de l'argent d'elle. Et oui, elle les a envoyé de l'argent. Mais, ils ne savent pas quoi en faire. Ils veulent même savoir l'origine de sa thune. C'est pas de la blague. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Est-ce qu'elle envoie vraiment de l'argent? Est-ce que c'est vrai? Ha! Ou est-ce que tu es surpris? Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Apparemment, quelqu'un aurait reçu de l'argent juste comme ça. Et combien? Il me semble que c'est 200 000 francs. Elle envoie 200 000 francs sérieux. Et je vois là en bas un message. Le message dit coqueuse de diamants m'a envoyé l'agence pour aider quelqu'un en cas d'urgence. Elle a un grand cœur. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Sérieux? Est-ce que c'est vrai qu'elle envoie réellement de l'argent aux gens? Est-ce que c'est vrai? Je pense que cette vidéo va nous en dire plus sur le sujet. Regardez ça. Vous voyez ça? On dit « Croqueuse de diamants m'a envoyé 500 000 francs. » Tout ça parce que j'ai dit que les vidéos qu'elle poste, c'est le buzz. Sérieux? Sérieux? Juste parce qu'elle a fait une vidéo. En disant que ce qu'elle a été fait sur les réseaux sociaux, ouais, soit disant ouais, l'argent aux gens, c'est le buzz. Elle lui a juste envoyé 500 000 francs. Mais pourquoi? Vous allez tout savoir. Mais regardez ça. Bonjour la famille, pour tous ceux qui ont suivi mon direct, vous avez vu, j'ai vraiment envoyé l'argent que... Bonjour la famille, pour tous ceux qui ont suivi mon direct, vous avez vu, j'ai vraiment envoyé l'argent que Coqueuse de Diamant m'a envoyé. J'ai fait une vidéo l'autre jour où j'ai insulté Coqueuse de Diamant en disant qu'elle ne partage pas vraiment l'argent. Elle m'a cherché, elle a pris mon numéro sur ma page Facebook, elle m'a envoyé une somme de 500 000 francs CFA, sur lequel j'ai pris pour partager parce qu'elle dit que je ne peux pas envoyer cette qualité d'argent. Je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir l'argent, ce qu'il partage. Tous ceux qui ont besoin de cet argent m'écrivent, prennent mon numéro sur ma page Facebook, ils viennent m'écrire. Je vais aller faire le dépôt comme j'ai commencé à faire le dépôt depuis le matin. Vous avez vu les gens qui ont confirmé qu'ils ont vraiment reçu leur argent. Coqueuse de diamant, je ne peux pas manger cette qualité d'argent là, je ne peux pas accepter ça. Pas parce que j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de ton nom que tu décides de m'envoyer 500 000. Mais je vais prendre ces 500 000, je vais partager à tous ceux qui en ont besoin. Donc, prenez mon numéro sur ma page Facebook qui est en bas de mon profil. Vous m'écrivez à Nibé, vous prenez chacun votre dépôt. Quand vous recevez la confirmation de votre dépôt, venez mettre en commentaire comme tout le monde. Ce n'est pas la blague. Tous ceux qui ont envoyé leur numéro le matin ont reçu l'argent. Attends. Mais de quoi parle-t-il? Je ne comprends pas. Écoutons-le encore. Bonjour les amis, vraiment, je fais cette vidéo pour demander les excuses à Coqueuse de Diamant. J'ai fait une vidéo récemment là où je parlais mal d'elle, où j'insultais, où je disais que ce qu'elle fait là c'est le mensonge, que c'est un buzz qu'on organise. Et puis elle a reçu cette vidéo, elle a demandé qu'on me cherche, on lui a envoyé mon numéro de téléphone, elle m'a fait un dépôt de 500 000 francs. Vraiment le Dieu, c'est vraiment vrai, cette fille partage vraiment de l'argent. Coqueuse de Diamant m'a fait un dépôt de 500 000 francs, je suis allé retirer cash ce matin. Mais vraiment, moi je vais vous dire que moi je ne peux pas prendre un argent que je ne connais pas où ça sort. Moi je... Mais tu as l'argent là déjà de ta main. Et tu dis que tu ne peux pas prendre encore. Et le gars se pose vraiment des questions. Hein. Au point où il va décider d'appeler la coqueuse de diamant. Ou bien coqueuse de diamant. Afin qu'elle puisse lui dire d'où elle prend sa thune. Regardez! Ok, voici le numéro de coqueuse de diamant. Moi, je vais l'appeler devant vous. C'est le numéro, ce qui m'a envoyé l'argent le matin. On va se rassurer. Regardez bien. Je vais l'appeler. J'espère que le flash ne dérange pas sur l'écran, non? Oui, allô, bonjour, madame. J'ai reçu un dépôt de ce numéro le matin. On m'a dit que c'est coqueuse de diamant qui m'a envoyé 500 000 le matin. J'aimerais savoir si c'est vraiment vous.
Oui, allô, bonjour. C'est moi qui vous ai fait le dépôt le matin. On m'avait envoyé le dépôt de 500 000 le matin à 9h. Moi, je ne sais pas le pourquoi. En fait, je vous ai envoyé le dépôt de 500 000 parce que j'ai vu que vous agitiez trop sur les réseaux. C'est que je n'ai pas d'argent, je fais le buzz juste pour avoir les abonnés, les likes. Raison pour laquelle je vous ai fait ce dépôt pour fermer votre bouche. Est-ce que vous entendez ce qu'elle a dit? Est-ce que vous entendez ce qu'elle a dit? Écoutons encore. J'ai Diamant qui m'a envoyé 500 000 le matin. J'aimerais savoir si c'est vraiment vous. Oui, allô, bonjour. C'est moi qui vous ai fait le dépôt le matin. On m'avait envoyé le dépôt de 500 000 le matin à 9h. Moi, je ne sais pas le pourquoi. En fait, je vous ai envoyé le dépôt de 500 000 parce que j'ai vu que vous agitiez trop sur les réseaux. C'est que je n'ai pas d'argent, je fais le buzz juste pour avoir les abonnés, les likes. Raison pour laquelle je vous ai fait ce dépôt pour fermer votre bouche. Quoi? La raison pour laquelle je vous ai fait ce dépôt? Pour fermer votre bouche. Hein? Donc quand tu parles trop d'elle, ou quand tu parles mal d'elle, elle t'envoie de l'argent juste pour fermer ta bouche. Elle ne parle pas beaucoup. Mais c'est truc hors du commun. Mais c'est truc hors du commun. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Sérieux? Sérieux? Mais cette affaire-là, on dirait que ce n'est pas de la blague. Hein? On dirait que ce n'est pas de la blague. Mais écoutons ça encore. Allô, j'aimerais savoir comment est-ce que vous faites pour avoir beaucoup d'argent comme ça et partager aux gens. Voilà, on nous dit. Donc vous travaillez quoi, les Camerounais aimeraient savoir tout cela. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas vous dire où je prends mon argent. Hein? Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai deux gens qui sont là dans les difficultés. Tu aides les gens, mais faut nous dire où tu prends l'argent. Ou bien. Les gens qui ont les projets rentables et qui n'ont pas de moyens de financement. Ce que je peux vous dire, donc je ne peux plus vous en dire plus. Mais moi, vous m'avez envoyé 500 000. Je crois que c'est par rapport à la vidéo que j'ai faite sur laquelle j'ai dit que tout le monde faisait le buzz et je vous ai insulté. Vous m'avez envoyé cet argent pour me prouver que c'est vrai. Et moi, j'ai peur d'utiliser vraiment cet argent. Oui, il faut avoir peur, mon gars. Je ne sais pas le seul à qui j'envoie de l'argent. Je suis partie de la famille de madame pour que j'ai donné la somme de 1 million. 1 million, c'est pas devant les 500 000 que vous envoyez. Donc, vous envoyez dans le stage. Elle dit, je vous envoie 500 000. Alors que ça le fait un don à la famille de Madame Cooper, la de RIP à elle. Quelle est un 1 million et puis 500 000. Qu'est-ce qui est le plus élevé? Donc si toi, je t'envoie 500 000. Ferme ton boussi. Ou bien si tu n'as pas envie de prendre l'argent, là, il faut partager cela aux gens qui en ont besoin. Sérieux? Mais que va-t-il faire? Regardez! Ok, salut à toutes mes femmes. Je suis vraiment venu faire le dépôt. Vous avez vu le dépôt d'Orange Money sur l'argent que Croqueuse de Diamant m'a envoyé 500 000. Et décidé de partager tous ces 500 000 aux gens qui m'ont envoyé le numéro. Si je ne peux pas garder l'argent, si. Donc, va sur ma page Facebook, tu prends mon numéro de téléphone, tu m'écris Yves sur WhatsApp. Si tu veux aussi, tu n'as pas le dépôt. Bonsoir, monsieur. Monsieur, j'ai fait le dépôt de 10 000 sur tous les numéros qu'il y a sur le format. Si. J'ai fait le dépôt de 10 000. Voici l'argent que je sors devant vous. Voilà ça. J'ai fait le dépôt ici là, 10 000 que Coco de Diamant m'a envoyé. Je ne peux pas manger la qualité d'argent, c'est tout simplement parce que j'ai fait une vidéo l'autre jour sur elle. J'ai dit qu'elle est partie pour la rentrer sur le buzz. Voilà, c'est ça qui fait le dépôt ici là. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais c'est quoi cette histoire? Coqueuse de Diamant. Il y a un autre gars aussi qui va nous dire que Coqueuse de Diamant lui a envoyé de l'argent. Et combien? Mais regardez! Croqueuse de Diamant m'a envoyé 300 000 aujourd'hui à 3h. Je pensais que c'était les blagues. Je lui ai tagué dans ma story sur Snapchat. Maman, je vais seulement te renvoyer ton argent. Au cas contraire, je vais donner à ceux qui en ont besoin. Moi, je pensais que c'était les blagues. Oh. Pardon. Vous n'aimez plus l'argent. Vous les humains, vous n'aimez plus l'argent. Tout à coup, vous fuyez l'argent, quoi. Oui, l'argent vous fait peur.
Ou bien, c'est la qualité de l'agence-ci, là. C'est ça que vous faites peur. Mais c'est hors du commun. Au plus, il va l'appeler. Tu lui demandes, mais où prends-tu ton argent? Regardez. Plusieurs Camerounais se plaignent qu'ils ne connaissent pas la source de provenance de votre argent. Puis-je connaître par simple curiosité? Parce que moi, j'ai peur d'utiliser cet argent. Moi, j'ai peur. Elle dit, je ne sais pas pourquoi vous voulez foutre vos narines dans ce qui ne vous concerne pas. Elle dit qu'elle n'est pas comme les autres influenceuses. Elles se disent influenceuses. Et elles n'ont rien, elles n'aident pas les gens. Et moi, je suis venu avec mon argent pour aider les gens, dit Coqueuse de Diamant. Pour aider les affamés, les orphelins. Donc, si l'argent ne te sert pas, aide les orphelins avec. Je ne peux pas vous donner la provenance de mon argent, dit-elle. Elle ne peut pas nous donner la provenance de son argent. Juste, nous, tout ce qu'on a à faire. C'est de se contenter de recevoir l'argent et de enjoy, d'en profiter de la vie, de se mettre zo, comme jamais. Ah, serez-vous prêt à le faire? Serez-vous prêt à le faire? C'est bizarre. Mais comment ces gens ont-ils reçu l'argent de cette dame si eux-mêmes ne lui ont pas envoyé leur numéro? Ça, c'est une question que tout le monde se pose, en particulier cette jeune fille. Écoutons-la. Je dis qu'elle est vraiment, je ne sais pas comment on peut être hypocrite comme ça. Je vois, c'était jamais. Tout le monde veut maintenant faire la vidéo sur croqueuse de diamants. Oh, c'est une femme battante. Oh, c'est une femme ceci. Oh, patati patata. Tout ça parce que vous voulez l'argent. Si vous voulez l'argent, arrêtez de la favoriser pour rien. Tapez sec, maman, quand je suis dans le besoin. Aide-moi, oui. Ne faites pas les détours, les contournements. J'ai vu cette vidéo, vraiment, quelqu'un disait que, oh, elle m'a demandé d'envoyer mon numéro. J'ai envoyé, mais je ne pensais pas qu'elle allait envoyer l'argent. Oh non. Je vais lui renvoyer son argent. Oh, j'ai peur. Moi, c'est pas là où la sort. Arrêtez de faire les yeux des gens. Tu as besoin de l'argent là. Tu ne manges même pas d'abord bien chez toi, mais tu veux te jouer là. Peut-être c'est MC Kenzo ou bien c'est qui. Je vois tellement de vidéos qui parlent de ça. Si vous avez besoin d'argent, tapez 5. Les bas 500 000, les bas 200 000. Vous ne mangez même pas bien chez vous. Mais vous voulez faire comme si vous n'avez pas besoin d'argent là. Dans ses propos, elle dit bien ceci, qu'elle est là pour aider les gens. Ne faites pas comme si vous êtes trop millionnaire. Tout le monde a besoin. Moi, je suis sûre qu'on soit les Camerounais. Parce qu'il y a seulement les Camerounais mal intentionnés qui peuvent réfléchir comme cela. On t'envoie là, au lieu de dire merci, tu passes ton temps à dénigrer la personne. D'ailleurs, même si c'est quand tu ne voulais pas vraiment l'âme de la personne, quand elle a été dit qu'envoie le numéro, tu n'allais pas envoyer. Arrêtez souvent de faire les yeux derrière. C'est quelle façon ça? Ou bien voir même quelqu'un qui dit que c'est une femme ceci, c'est une femme ça. Tu la connais où? Tu la connais où? Parce qu'elle partage un peu les miettes. Vous êtes là, vous sortez vos grammes de gueule, vous sortez vos grammes. Mais vraiment, les Camerounais, limité. C'est ça qu'on mange votre argent. Vous commencez maintenant à insulter les stars, les nuées blanches qui ont fait ceci, que depuis qu'ils travaillent, ils n'ont jamais envoyé les jeux, ils n'ont jamais envoyé l'argent. Tout le monde, tous les stars, là, vous êtes en train de les insulter. Et au moins, on sait là où l'argent provient. Oh, et au moins, on sait qu'ils ont les restaurants, ils ont les petits shootings, ils ont ceci, ils ont cela. Ce qui les permet de gagner leurs sous. Quelqu'un vient de nulle part, on vous envoie l'argent, vous faites les yeux derrière, tout le monde verra faire la vidéo ça. Bref, ma vidéo c'était pas pour la taille ou bien pour faire quoi que ce soit, c'était juste pour vous dire que quand vous êtes dans le besoin, assumez votre besoin, c'est-à-dire que tu tapes sec que je suis dans le besoin, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Quand tu ne veux pas l'aide de quelqu'un, tu restes tranquille. Arrêtez de dénigrer les enfants des gens pour rien. Arrêtez de dénigrer les stars, les influenceuses là pour rien. Même s'ils ne vous donnent pas ça, ils ne sont pas là pour travailler pour vous. Pigez, ils gagnent l'argent comme tout
tout le monde. Toi aussi, tu peux travailler et gagner ton argent. C'est quoi ça pour vous insulter les gens? Parce que c'est, parce qu'il y a une influenceuse qui vous donne les miettes. C'est quoi ça même? Arrêtez même un peu ça. 500 000, les miettes même. Mon frère, c'est pas comme si moi je gagne trop de vie, c'est pas comme si mes parents me donnent assez. Certes, je suis pauvre, j'assume ma pauvreté, mais personne n'a jamais venu me rabaisser parce qu'il va me donner ses miettes ou ses 5 francs pigés. 500 000, qu'est-ce qui vous arrive même? Respectez-vous, moi vous respectez, puis c'est tout. Et Wanda même, je suis eux-mêmes. Vraiment. Est-ce qu'elle a tort? Oh non. Est-ce qu'elle a tort? Est-ce qu'elle a vraiment tort? Et puis, ce qui est vraiment très étrange dans cette histoire, c'est que au Cameroun, il y a vraiment beaucoup de problèmes quand même. Récemment, on a perdu une TikTokeuse du nom de Madame Cooper dans une affaire d'empoisonnement. Personne ne sait si c'est vraiment ça. Qui sont les empoisonneurs? Où sont passés les gens qui étaient là quand elle se faisait empoisonner? Toute cette histoire, on n'en parle plus. On parle d'une jeune fille qui était sur le buzz avec l'argent. Il y a tellement de problèmes. Et ça attire l'attention de ce monsieur qui a quelque chose à nous dire. La cocosse des diamants. Oh, elle prend son argent. Oh, il faut qu'on l'arrête. Oh, regarde son argent, ça n'atteint même pas le prix de son habit. Oh, nanana, la jalousie. La jalousie. Ce qu'on vous demande de dénoncer, mais vous ne dénoncez pas. Ça fait combien d'années qu'on empoisonne les gens au Cameroun? Vous êtes incapable de dénoncer que le gouvernement puisse faire des enquêtes pour attraper au moins ne serait-ce qu'une personne. Le poison est devenu comme une maladie au Cameroun. Donc aucun meurt du poison, il n'y a pas d'enquête. Ça cale comme ça là. Une petite fille arrivée là, elle a son argent. Ça c'est la jalousie. Je ne dis pas que je suis pas en train de la défendre pour dire que... Mais pour l'instant, elle n'a pas de main sale. On ne l'a pas encore attrapée dans quelque chose de louche. Donc fermez vos gueules. Tous ceux qui vous volent même. Tous ceux qui vous volent, vous savez, ils roulent avec les grosses voitures, vous naguent tous les jours, vous ne parlez pas. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Et que tous ceux même qui vous volent, ils sont là chaque jour, ils passent à voir leurs grosses caisses. Vous ne dites rien. Il y a des vrais problèmes qui sont là. Vous ne parlez pas. Mais vous vous acharnez sur la jeune petite fille là. La jeune petite fille là. Sérieux. Sérieux. Ha! Être humain. Mais qu'est-ce qu'elle elle a à nous dire? Écoutons-la. Quand je suis un milliardaire, d'autres ne demandent pas. D'autres ne demandent pas. Mais quand une jeune fille de 22 ans a un peu d'argent, c'est que s'accélérer. La jalousie vous donne quoi? Travaillez, parce que c'est la seule route du succès. Et priez beaucoup, parce qu'il n'y a que Dieu qui bénit. Il n'y a que Dieu qui fait le miracle. Dans ma vie, ce que je suis aujourd'hui, c'est les œuvres de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Si Dieu a pu faire Sarah d'Abraham enfantée à 90 ans, je suis qui pour ne pas avoir ce statut à 22 ans? Elle a parlé de quelqu'un de la Bible. Elle veut montrer que Dieu est trop fort pour l'argent qu'elle a. Et que cela ne nous inquiète pas. Juste. Allons-y seulement. Ha! 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 Et les jaloux ont commencé à parler d'elle. Commencer à dire que, oh, toi là-même, là, avant de commencer à distribuer de l'argent, là, il faut aller apprendre à parler le bon français. Mais vous allez comprendre ce qu'elle va dire tout de suite pour répondre à cela. Regardons. Vous dites que quelqu'un qui travaille son argent difficilement ne peut pas partager ça aussi facilement. Vous ne voyez pas d'autres influenceuses qui s'achètent le jet privé. Vous connaissez le prix? Le mec de 1 million pour mettre sur la tête, vous connaissez le prix? Que de faire comme elle, je préfère être moi. Tout ça ne m'intéresse pas. J'ai mieux à faire avec mon argent, aider les gens qui en ont besoin. Des gens qui souffrent, pour les aider à avoir une vie meilleure.
Waouh. Waouh. C'est grave. Coucou mes diamantaires, j'espère que vous allez bien. Vous allez excuser mon français. Je suis anglophone, j'ai fait les études en anglais. I'm trying myself to speak both English and French because the country is bilingual. Je voulais vous dire ceci, mes diamantaires. Vos influenceuses veulent la belle vie uniquement pour elles. C'est pour ça que vous allez voir partout, on va me dénigrer. Mais je m'en fous. Elles veulent tout pour elles, mais rien pour vous. Mais elles oublient que c'est grâce à vous qu'elles sont où elles sont aujourd'hui là. Grâce à vos partages, grâce à votre amour, grâce à vos encouragements. Tout ce qu'elles savent, c'est s'acheter des grèves, faire des voyages et puis venir vous vendre le rêve. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Parce que l'influence là détourne beaucoup la jeunesse. Vous allez voir une petite fille va vouloir vivre vos vies. Partir faire des mauvaises choses juste parce qu'elle veut payer un dernier iPhone. Arrêter comme son influenceuse. S'offrir les mèches, porter ce que son influenceuse porte et tout. Ce n'est pas bon. Dieu m'a béni. Et c'est pour ça que j'ai décidé avec amour de venir en aide à ceux qui n'ont pas. Ceux qui veulent développer leur projet mais ne peuvent pas à cause de faute de moyens. Beaucoup ont les talents ici. Mais manque de fonds, manque d'argent pour commencer, pour montrer les talents. C'est pour ça que je veux vous venir à l'aide. Et personne ne pourra m'arrêter. Je dis bien personne. Et personne ne pourra m'arrêter. Je dis bien personne. Ha! Aïe, aïe, aïe. Et puis elle parle bien. Elle parle comme une vraie politicienne même. C'est comme si elle avait l'esprit même pour ça. C'est du hors du commun. Mais regardez. Ça, la jalousie provient de l'incapacité. Vous allez beau et bien m'insulter, me critiquer, je m'en fous. Si je veux m'acheter tous les vêtements des grandes marques du monde entier. En un siècle là, on me livre ça. Et à domicile, je ne me déplace pas. Mais bon, ce n'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens. Parce que moi, j'ai compris la vie. Et sur quoi même, je tenais aussi à vous dire ceci. Je n'aide pas parce que j'ai trop, parce que mon argent se baisse. Mais parce que je sais ce que c'est de ne rien avoir. Waouh. Elle dit, elle n'aide pas parce que son argent, il ne sait même pas quoi. Vous avez entendu? Elle dit, elle l'aide juste parce qu'elle sait ce que c'est de ne rien avoir. Hey! Ça me touche! Ça me touche! Parce que je connais la galère. Je sais très bien ce que c'est que la galère! La galère! C'est du hors du commun. Si vous n'avez jamais connu ça, je vous invite à l'écouter. Mais vous n'allez plus revenir. C'est grave. Enfin, ça, c'est pas de la blague. Hein. Dieu sait ce que chacun traverse ou a traversé dans sa vie. C'est pas de la blague. Peut-être qu'elle a vu des trucs pareils et elle a décidé de faire quelque chose pour venir aider les gens qui n'ont rien. Qui sait? Personne ne sait. Mais regardez! Elle est ici. La gens critique son accoutrement et tout ça. Elle a décidé de nous montrer quelque chose un peu. Et regardez la réaction des gens. Coqueuse de diamant. Oh ma fille, tu es belle! Ah, oh, tu n'es même pas belle comme je te vois naturellement. Tu es belle, ma fille. Oh, tu es bien formée comme une guitare. Merci. Oh là là, je suis très contente de te voir. Bonne journée. Merci, madame. Oh, bravo, merci. Oh, et d'avoir la même chose. Merci. Oh, tu es belle. Bravo pour toi. Hein. Beaucoup de courage. Incroyable, mais vrai. Sans doute, elle est dans un hôtel luxueux. Apparemment, elle serait là-bas pendant que
Sa maison est en train d'être construite. Ha! Ha! Hum. L'argent. L'argent. Écoutons-la encore. Alors, mes diamantaires, on me demande où je prends mon argent. On me demande, on me dit comment je fais pour avoir autant d'argent. Vous savez, vous n'êtes pas forcément obligé de faire ce que je fais. Il y a plusieurs façons de faire de l'argent. Chaque personne a ce qu'elle aime faire, ce que c'est mieux faire et tout. Et c'est pour ça que j'ai décidé de donner un petit pouce, de donner le fort, le capital à certaines personnes pour pouvoir se lancer dans ce qu'elles aiment, ce qu'ils savent faire, dans ce qu'ils savent bien faire, quoi. Donc, pour que demain aussi, vous puissiez être le futur ou le futur partageuse. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous vraiment? Qu'en pensez-vous? Elle a beaucoup de choses à nous dire. Écoutons encore. Mes diamantaires, elles sont nombreuses ici dehors à vous vendre le rêve. Elles ont des grands sacs, mais à l'intérieur, même si vous ne feriez pas. Ça ne me fait rire. Ça m'a bien ri, ça m'a grave fait rire même. Quand j'ai écouté ça la première fois, j'ai tellement ri. Ah! Ah! Mais l'origine de sa richesse est devenue un sujet. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Les gens veulent savoir vraiment comment elle explique que à 20 ans seulement. Elles sont multimilliardaires. Comment c'est possible? Et ça étonne beaucoup de personnes. Même les blancs ou les métis. Bon, vous regardez vous-même, moi, je ne comprends pas. La chèvre va te mordre. La chèvre va te mordre. La chèvre va te mordre. C'est comme une chèvre de la mort. C'est la fleur. La manière comme tu parles, tu as demandé même. Là-bas, dans son TikTok, tata, j'ai besoin aussi de 5 000. Il y a des gens qui, comme vous là, quand on y arrive comme ça, on peut vous acheter vite fait. Franchement, on verra la suite, non? Vous avez entendu ça? On verra la suite, non? Les gens veulent voir la suite. En fait, les gens veulent la voir tomber, quoi. Pour qu'ils disent, oh, on l'avait dit, oh, on l'avait dit. On l'avait dit, oh, on avait dit. Hey, l'Afrique, hey, l'être humain. En tout cas, que vous soyez bien ou mauvais, ce sont les mêmes choses que vous allez recevoir. Les mêmes énergies négatives. Est-ce que vous voyez que vous savez que vous avez travaillé dur pour avoir votre argent? Les gens auront toujours quelque chose à dire. Ils vont toujours trouver quelque chose. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a les jaloux, il y a les sorciers. Tout le monde va se lever pour venir à côté, tout et n'importe quoi. Ils vont commencer à dire, oh, lui là, ah, il a fait de la magie pour devenir riche. Mais ils n'ont pas vu sur eux qu'elle a regardé sur eux que sur moi. Ça là. Retenez ça bien. Le jour Dieu va me bénir. Et puis les gens commencent à mentir. Hein. Regardez sur eux là. Que ce sur eux là soit mon témoin. Que ça soit mon témoin. C'est un truc hors du commun. Ha. Ha. Et pendant que nous sommes en train de parler, il y a des gens qui ont trouvé quelque chose sur elle. Il y en a qui disent qu'elle est dans des rituels bizarres où elle reçoit 90 millions par jour. Sérieux? Bon, écoutons. Croqueuse de diamants partage l'argent, mais vous n'allez pas comprendre la provenance de son argent. Écoutez bien, il faut d'abord savoir avant de pouvoir parler. Chaque 24 heures, elle reçoit 90 millions. Et sa secte, sa condition l'exige
à utiliser au moins la moitié avant les 24 heures. Donc tu es dans la secte, chaque 24 heures tu reçois 90 millions. Et pendant 2 mois, dans la condition d'utiliser au moins la moitié avant que les 24 heures ne puissent terminer, tu vas faire comment? Tu ne peux pas utiliser la moitié de 90 millions en une journée, toi seul, impossible. Donc elle est obligée de partager. Elle est obligée. Et sa condition, c'est 2 mois. Je vous parle, je sais de quoi je parle. C'est 2 mois sa condition. Donc pendant 2 mois, elle va partager la moitié de ses 90 millions. Après 2 mois, elle aura la gloire qu'elle veut. Donc sa condition, elle va pouvoir atteindre la gloire qu'elle veut. 2 mois, elle doit partager la moitié de son argent. Vous-même, on vous dit que si on vous dit qu'une fille comme ça peut partager les millions, vous allez accepter. À peine elle porte une chaussure de 5 000, regardez ses babouches. À peine elle porte une chaussure de 5 000. C'est vous dire quoi? Actuellement, si l'argent qu'elle reçoit de sa condition, elle ne peut pas mettre ça sur elle. Regardez la fausse mèche qu'elle porte, regardez la mèche qu'elle met sur sa tête là. Elle ne peut pas mettre son argent sur elle actuellement, si elle attend la gloire. Ces millions qu'elle a maintenant, c'est au partagé. Attendez dans 2 mois, vous allez comprendre. Si ton nom désigne une fille comme ça, à peine elle porte une babouche de 2500, peut partir les millions, tu vas accepter. Elle ne ressemble pas à son nom, ça. Mais la manière qu'elle est arrivée sur les réseaux sociaux, là, c'est quand même compliqué. Tu te lèves le matin, tu veux partager là comme ça, tantine. Nous, comme ça, qui sommes, nous avons peur quand même. Tu te lèves comme ça, tu ne dis rien, sans transition. Tu viens commencer à partager là, ça fait peur quand même, là. Mais si elle t'envoie l'argent, reçois, pardon, tu peux faire ton retrait au box, le bon argent. Elle t'envoie, reçois d'abord, ne comprends pas, reçois d'abord, avant qu'après tu as dit que non, je vais faire comme ça avec, je vais faire comme ci. Parce que sa condition, c'est elle. Ne confondez pas les choses. Sa condition, c'est elle qui est en condition et non vous. Vous recevez l'argent parce qu'elle doit utiliser. Elle se met en condition, elle, et non les gens à qui elle partage l'argent. Elle va partager autant, ça ne va rien faire à personne. Parce que c'est son corps qui est en condition. Vous n'êtes en rien dedans. Waouh, c'est bizarre. Que pensez-vous de ces révélations? Que pensez-vous de ce qu'il vient de nous dire? Ah, ça, c'est vraiment... Le monde ne finira pas de nous apprendre beaucoup de choses, hein. On finit pas d'apprendre. Donc, allons-y seulement. Nous sommes ici sur voilà. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche, partagez cette vidéo, laissez vos j'aime. Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, regardez dans la description de cette vidéo. Vous savez quoi faire ou faites les dons via YouTube Super Things. Ha! La vie. D'autres révélations arrivent encore. Écoutons ça. Oh, coqueuse et diamant. Coqueuse de diamant, tout le monde, coqueuse de diamant. Coqueuse de diamant fait en sorte que tous nos influenceuses là, nos grandes influenceuses, elles sont toutes en mal. Être rare. Parce qu'il y a coqueuse de diamant. Elle croque les diamants. Elle vit. Et puis faut, elle vit. Elle n'est pas déjà comme c'était. Non. Calme-toi, jeune. Calme-toi. N'appelle pas le nom de quelqu'un. N'appelle pas le nom de quelqu'un. Elle n'est pas comme certaines influenceuses qui disent que oh, elle voyage, elle part à Dubaï, en Côte d'Ivoire. Elle fait son influence ici au Cameroun. Mais cet argent sort d'où? Cet argent sort d'où? À tel point où elle partage les millions aux gens. Cet argent sort d'où? À son si jeune âge, héritier, elle n'est pas héritière. Ouais, les gens se posent tellement de questions sur son sujet. L'argent, ça sort d'où? C'est comment? C'est quoi? Est-ce qu'on peut partager de l'argent comme ça, qu'on a travaillé durement, durement. Ah! Mais vous-même, regardez ça! Le monsieur a des choses à nous dire. Il va nous dire que si les gens parlent ici, c'est parce qu'ils sont comment? Écoutons. Pour beaucoup de filles et les garçons même aussi,
quand la coqueuse de diamant partage l'argent comme elle fait là, c'est qu'il y a la sorcellerie dedans, où elle fait la magie. C'est parce que vous êtes chiche. C'est parce que vous êtes chiche. Chiche. Oui, vous êtes chiche. Avec vos gars, avec vos gars, vous êtes chiche. C'est ça que vous avez là-bas le genre d'impression là. Vous les voir comment elle marche avec les grosses têtes comme les gens qui vendent les bons Saint-François. Oh, la coqueuse de diamants, elle fait la magie. Elle fait que magie. Elle a l'argent et elle veut partager aux gens. C'est comme ça. Donc. Waouh. C'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, on dirait. Sérieux, est-ce que c'est vraiment simple? Est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Peut-être que ce que nous allons écouter ici va nous en dire plus sur le sujet. Écoutons. Hello, mes boss, je sais que vous allez bien chez moi, ça va, je rends grâce. Alors là, je donne mon avis sur l'affaire croqueuse et diamant. Vous savez que je ne parle pas d'affaire de buzz. Je suis toujours dans mon coin et je ne cherche pas de problème. Ça là, je parle dedans parce qu'il y a des clients qui viennent dans mon WhatsApp, qui lui donnent de l'argent parce qu'il paraît que la PDG de l'Empire Chadaï est en train de partager de l'argent. Vous avez bien dit la PDG, vous n'avez pas dit les représentants, vous n'avez pas dit les employés. Hey. Ok. Pour ceux qui ne le savent pas, je vois dans les commentaires de certains de ces vidéos, les gens disent que oh, c'est la sorcellerie, c'est la magie, elle est dans le cercle, elle fait ci, elle fait ça. Qu'est-ce qu'on ne va pas entendre parler, dire ici en Afrique? Pour nous, les Africains, personne ne peut réussir à travers son travail. Personne ne peut réussir dignement. Il faut forcément, obligatoirement, que ça soit dans les cercles et quoi, comme vous aimez le dire, bien sûr. La jeune dame que vous voyez là, la croqueuse diamant, où vous dites que vous n'avez jamais entendu parler d'elle, on ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne travaille pas, elle fait rien, elle débat comme ça sur les réseaux sociaux, à partager de l'argent et tout. Est-ce que vous savez que c'est la PDG de Chadaï Empire? C'est quel succès Chadaï n'a pas fait dans ce monde-là? C'est quel pays Chadaï n'est pas arrivé? Nous-mêmes, les représentants, les simples représentants, on n'est pas derrière. Donc, imaginez un peu la PDG. Mais elle baigne dans l'argent. Moi-même, la représentante officielle du Burkina, je ne peux même pas imaginer ma recette que je la fais rentrer par jour. Ne parlons pas des autres représentants du monde. Dans chaque pays, il y a une représentante. Et tout ce que chaque représentante commande par jour, tout ça revient directement à elle. En plus, elle a une entreprise aux États-Unis. Elle évolue aussi dans l'immobilier. Mais elle, c'est une multimillionnaire, celle-là. Est-ce que vous avez une petite idée de comment on appelle ça là? On appelle ça quoi? Le mot là m'a échappé, hein? Désolé. Si c'est en Dahara, là, je n'allais pas m'embrouiller comme ça. Français, là, n'est pas mon truc. L'argent qu'elle distribue là, c'est la sueur de son front. C'est dedans, si tu veux, prends et sans crainte. Si tu veux pas, tu laisses. C'est tous. Arrêtez de dire, elle fait ci, elle fait ça, elle dit, elle fait ci, elle fait ça. Et puis arrêtez de venir demander l'argent chez les employés. Ah, je l'ai toujours dit ici. Et là, Chadaï ne m'appartient pas. Et chaque fois que les gens réclament une promotion et tout, je dis non, c'est pas ma marque. Quand nous, on paye pour faire venir là, on paye phytosanitaire, on paye la douane, on paye les frais de transport. Au final, les charges même nous dépassent. Donc, tant qu'ils n'ont pas accepté de nous faire une légère réduction, c'est compliqué pour nous de faire promotion. Mais la marque Dona qui m'appartient, où je suis la PDG, je suppose que dans quelques années, il va faire une sortie de ouf comme la PDG de Chadaï Empire. Ah ouais. Vous avez vu ça, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Vous avez entendu ce qu'elle a dit. Je n'ai totalement rien à en ajouter, hein, frère soeur. Moi, je ne suis pas là-bas où. Je n'ai rien à ajouter. C'est ce qu'elle a, c'est ce que je prends. Je vais vous dire, je vais vous réagir en même temps que vous. C'est vraiment terrible. Vraiment, moi, je suis vraiment dépassé par ça. Mais la réaction continue, hein. La réaction continue. Et les gens sont même prêts, même pour son argent, comme jamais! Comme jamais! Jusqu'à la suivre, même au cimetière, s'il le faut. Ce que je ne peux pas vous faire écouter là, hein. Ça va grave vous surprendre. Écoutons ça! Bon, coqueuse de diamant, ce que tu es en train de faire là, c'est pas normal. C'est mieux de dire peut-être genre rendez-vous dans tel cimetière à minuit 00. Là, on va voir vraiment ceux qui ont le cœur de prendre de l'argent. Parce que quand tu fais les dépôts, ils sont derrière le téléphone, ils ont quand même peur. Mais nous, là,
Il faut dire minuit 00. Tu donnes seulement le nom du cimetière. C'est le cimetière de Daïdo. Tu dis cimetière de Daïdo. C'est pour Neubel. Nous sommes là. Voilà. D'abord, on va faire le rang. On va attendre. Parce que quand tu fais les dépôts, là, tu choisis seulement les gens. Nous, aussi, on veut les dos. C'est ce que je voulais te dire. Bon, quand tu partages là, c'est mieux de dire peut-être rendez-vous dans tel cimetière à minuit 00. On va venir. Pas dire envoie les OM. Non, parce que là, depuis que moi je suis là, j'ai rien reçu. Je commence maintenant les témoignages. Oh, elle est gentille. Moi-même, j'ai pas encore reçu les dos. Donc, easy. Fixe un rendez-vous. Comme c'est à minuit là. Non, viens seulement au cimetière, c'est mieux. Elle dit ça pour blaguer. Je vais vous présenter. Est-ce qu'elle dit ça pour blaguer, mes frères et sœurs? Est-ce que vous pensez qu'elle dit ça pour blaguer? Elle dit que mes yeux sont au cimetière. Okay, je vais vous présenter. Elle est prête à y aller. Elle dit même qu'elle va aller faire un là-bas, mais pour l'attendre. Sérieux? Mais elle dit comment? Et les gens sont prêts. Les gens sont prêts, même les gens de l'Europe sont prêts aussi. Mais là, ça va le pas. Mais regardons. Je dis que c'est chaud sur TikTok présentement aussi. Tu te connais de croqueuse de diamants. Ici, croqueuse de diamants. On ne connaît pas d'où la fille s'y sort. Mais on parle d'elle partout. Je dis que non, je vois comment on dit que la fille se partage là comme les noms du poulet, mon frère. Petit les bas 1 million, les 200 000, les 400 000. Hey! Je ne connais pas d'où la fille s'y sort avec tout le genre d'argent, avec les taxes qui sont dues. Que cela de la secte. Comment le porte-monnaie magique avec la quantité d'argent qu'elle partage là ne peut pas suffire. Que sûrement soit c'est la valise magique, soit c'est le cercueil magique. Je ne sais pas. J'ai même vu une femme a fait une vidéo sur elle. Dit qu'elle parle de faux français, dit je l'ai dit que. Les bas, je l'ai dit que. Toi ton problème c'est quoi? Quelqu'un peut essayer là pour faire la formation. Mon problème c'est quoi déjà? Il y a un proverbe qui dit que l'œil qui a vu doit être réussi. En tout cas, que ce soit l'argent de la valise magique, de la maison magique, ce n'est pas mon problème. Beaucoup de personnes ont vu, non? Moi aussi j'ai vu. Ce n'est pas mon problème. Tu crois que quand nous sommes ici en Bengale, on s'en sort trop? On ne s'en sort pas. Moi, qui te parle là, je m'en sors. C'est chaud. On dit que c'est mon égal. Ça fait quoi? Moi, je t'appelle Tata. Même si je suis ton grand frère, t'appelle Tata. Fais un geste pour ton frère. Fais un geste pour ton petit. Ça ne donne pas. Coqueuse de diamants, ça ne donne pas. J'ai PayPal. Et je me suis abonné sur ton compte Snap. Tu as des comptes, on s'abonne là-bas. Si tu as reçu là, fais le reçu là. Voilà. Je ne veux pas savoir où ton iPhone, où c'est pas sorti. Ce n'est pas mon problème. Je dis que c'est chaud sur TikTok présentement. D'ailleurs, ça fiche de là où l'argent est sorti ou pas. Et tout ce qui les intéresse, c'est les gars, c'est la thune. Ils ont besoin d'argent. Ils disent qu'ils souffrent trop. Ils ont besoin vraiment d'aide. Ah! Même si c'est vous. Même si c'est vous, hein, sérieux. Hé, hey, la vie. Si tu ne connais pas croqueuse de diamants, je te la présente. Oui. Elle s'appelle effectivement croqueuse de diamants parce qu'elle, elle croque le diamant. Adamant. On peut aimer croquer le diamant comme ça. Famille, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour dire croqueuse de diamants, où est-ce qu'elle a pris son argent, ceci et cela. Famille, je vais vous dire quelque chose. Croqueuse de diamants, moi je retiens que l'argent qu'elle a là, elle distribue. L'argent qu'elle a là, elle partage. C'est ce que je retiens. D'accord? Croqueuse de diamants n'est pas la seule qui brandit de l'argent. Les gens brandissent de l'argent mais ne donnent pas. La différence c'est qu'elle est brandie de l'argent mais elle donne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la différence. Donc, quand elle dit qu'elle va être influenceuse des influenceurs, elle a tout à fait raison. Parce qu'elle vient de vous démontrer la différence qu'il y a. Vous voulez qu'on aille chercher tous les milliardaires et tous les millionnaires, où est-ce qu'ils ont enlevé leur argent? Vous voulez qu'on joue au Colombo? Hein? Les gens qui veulent savoir où elle a enlevé son argent. Vous voulez qu'on joue au Colombo? Vous voulez aller fouiller par tous ceux qui ont l'argent. Où est-ce qu'ils ont enlevé l'argent? C'est ce que vous voulez faire? En tout cas, croqueuse de diamants, continue ce que tu fais. Continue de donner ton argent à ceux qui sont dans le besoin. Priez avant d'utiliser l'argent. Voilà ce que je peux vous dire.
Tu comprends bien. L'affaire si devient sérieuse. Hein. Tu comprends bien. L'affaire si devient sérieuse. Hein. L'affaire si devient très sérieuse et inquiétante. Ça inquiète. Ça m'inquiète. Mais regardez. Le continent camerounais, si je comprends bien, c'est vous qui décidez maintenant comment est-ce que les gens doivent vivre leur vie. Soit la Gina, il y a cette histoire qui se passe ces jours-ci de la croqueuse de diamants qui partage les dos. Ça wanda tout le monde, c'est normal. Mais on ne connaît rien de sa vie, frérot. À partir du moment où on ne connaît rien, pourquoi se questionner? À partir du moment si je commence à me questionner sur elle, que pourquoi elle farote comme ça, ceci, cela, machin, truc, ça veut dire qu'au fond de moi, il y a déjà une petite jalousie qui commence à venir. Pourquoi? Parce que je vois cette fille de ma tranche d'âge et elle fait les choses que je ne peux pas. Les gars, fermez vos bouches. Fermez vos bouches, la vie c'est le checker, père, la vie c'est le checker. Il y a même jusqu'à y entendre même d'autres dire pourquoi c'est maintenant qu'elle commence à faroter. Elle devait vous demander vos avis avant de commencer à faroter. Elle devait vous demander votre avis avant de commencer à faire les dons. Jusqu'à l'autre jour, il met que tu ne peux pas être milliardaire à 25 ans. Mon frère, qu'est-ce que tu en sais? Elle est milliardaire à 25 ans, elle croque le diamant. Roha. Allez faire la jalousie. Cher continent camerounais. Les gens sont-ils vraiment jaloux? Ou c'est comment? Dites-le-moi, les frères et sœurs. Dites-le-moi. Et moi, je veux savoir. De toute façon, moi, je sais qu'il y a une forte dose de jalousie dans cette affaire. Il y a beaucoup de jaloux qui parlent aussi. Et ouais, il y a certaines personnes qui veulent aussi juste savoir d'où vient son argent. Il y a tout des temps. Il y a certaines personnes aussi qui se cherchent. Jamais je chauffe maintenant, je dis ton maman, je veux même pas savoir d'où tu sors l'argent, comment tu fais, comme les gens cherchent l'amour, ils veulent pas. Je veux juste les critères. Les critères, est-ce qu'il faut être long, est-ce qu'il faut être mince, est-ce qu'il faut avoir les longs ongles pour recevoir l'argent? Moi, il veut juste savoir. Comme ça, tu envoies ma panne. Ça laisse qui? Tu envoies juste ma panne. L'argent est trop dur à gérer. Si quelqu'un décide de partager l'argent, vous êtes là où discuter. On me demande, elle est influenceuse en quoi? Elle est influenceuse en money, partage money, voilà. Donc comme vous êtes influenceuse en danse, elle, c'est influenceuse en money, partage. Vous avez entendu ça? Elle dit que elle, là où elle est assise, là, tout ce qui l'intéresse, c'est comment elle va recevoir sa part de thunes, sa part d'argent. Et elle n'est pas la seule qui est dans cette gamme. Hein? Écoutez encore. Pour finir, on ne connaît même pas ce que vous voulez. Parce qu'avant, c'était déjà où les influenceurs sont chiches, elles ne partagent pas l'argent. Maintenant, quand celle qui partage l'argent arrive, vous voulez déjà m'arriver. Vous êtes là où elle prend son argent. Vous voulez l'argent, mais vous voulez savoir la source si vous payez son argent. Wow. Je suis dépassé, je suis fatigué. Qu'est-ce que vous dérange? Je ne parle pas de localisme. Localisme, s'il te plaît. Incroyable, mais vrai. Elle dit, maman, localise-moi. Oh, maman, localise-moi. Ouais, voici sa nouvelle maman qu'elle a. Regardez. Coucou, mes diamantaires. Travaille de telle sorte que votre absence soit ressentie. Wow. Ouais. On a fini de parler. Voilà la même personne qui est en train de citer qu'elle est une sorcière. Son agent est sale. Voilà la même personne qui est en train de vous conseiller. Vous voulez même pas les enfants de quelqu'un. Elle était en train de faire sa publicité de ses produits, ça et là. Vous étiez là. Vous étiez là quand elle était en train de se battre. Vous étiez là. Oh, tu veux ta part d'argent de moi doucement. Oh, elle a donné ta part. Oh, chère famille. Oui. Et puis quoi encore? Quand elle a fait des bons produits. Elle a un peu vous balader quelque part, je ne sais pas. Pour que le diamant monte et descende. Je suis que les mêmes personnes qui sont en train de parler depuis là, dans mes commentaires, dans mes vidéos là. Si la fille là donne ici là, elle vous donne là, vous allez prendre les pénis. Merci. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Il y a des gens, vous êtes en train de bavarder, raconter beaucoup d'histoires, des trucs qui n'ont aucun sens. Mais si tout de suite elle vient, elle vous donne de la thune. Hein. Vous allez prendre. Vous allez prendre. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez prendre vraiment? Est-ce que tout le monde va prendre cet argent dont on ignore la provenance?
Ha, écoutons ça. Franchement, cette affaire commence à devenir sérieuse et il faut vraiment qu'on en parle. C'est très, très sérieux. Comment tu peux te lever un matin, tu te mets à distribuer les 400 000 et 700 000 aux inconnus pour rien comme ça? Tu ne nous dis pas d'où te viennent les fonds et ils ne se posent pas de questions. Comment il fait pour gagner sa vie? Rien. Ils reçoivent juste de l'argent comme ça. Appelez-moi cette croqueuse de diamant, s'il vous plaît. Appelez-la. Viens, viens. On envoie les numéros à qui pour recevoir aussi pour nous l'argent. Hein? Donc tu as dit tout ça là-bas pour lui demander sa thune. C'est vrai? Pardon. On envoie à qui? Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Pendant que nous sommes en train de parler, à certaines personnes qui se posent la question, sont, mais est-ce une coqueuse de diamant ou une coqueuse d'âme? Parce qu'on ne comprend pas. Ça devient bizarre. Écoutons cet homme. Coucou! Alors, ma yo-yo, toi, tu penses quoi de la nouvelle influenceuse? L'argent est prend haut. Alors, déjà, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, l'argent, c'est quelque chose qu'on ne donne pas à n'importe qui, n'importe comment, surtout n'importe quelle somme. Et c'est pareil, on n'accepte pas l'argent de n'importe qui, n'importe comment et de n'importe quelle somme. Je tiens à préciser que cette histoire d'argent, il y a une fille j'ai vu une fille dans un commentaire sur un mur qui disait qu'elle est partie de cette fille, elle lui a demandé de l'argent, c'est une fille qui est binoise. Et la dame lui a dit, si tu veux, je te donne plutôt le numéro de mon marabout. Elle est passée par un autre compte, elle a demandé encore. La dame lui a dit, je te donne plutôt le numéro de mon marabout. Bref, maintenant en ce qui concerne la dame, je l'appelle moi croqueuse dame. Il faut savoir que quand quelqu'un a eu de l'argent, a l'argent, ben les anciens riches, quoi. Il y a les cicatrices de richesse qui restent. Tu comprends? C'est-à-dire que si tu avais ta ceinture de valeur, tu avais ton sac à main de valeur, c'est pas parce que tu es pauvre du jour au lendemain que ça va partir. Que tu ne vas plus mettre tes habits parce que c'est des choses qui restent. Et cette dame-là, on commence par l'accoutrement. Je l'ai regardée de la tête jusqu'au pied. Elle porte le chinois, mais de bas étage. Ah! 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 Donc, de tout ce qu'elle fait là, toi, ce sont ces vêtements que tu as vus. C'est bizarre. Les gens pensent que si elle porte des vêtements bizarres ou des vêtements moins chers, c'est tout simplement parce que l'argent là, qu'elle a là, ça a des conditions et qu'elle ne peut pas en manger ou en utiliser pour s'acheter des vrais trucs. Est-ce que c'est vrai? Personne ne sait. Mais elle-même, elle a déjà répondu à cette affaire. Elle a dit clairement qu'elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut, mais elle a des priorités. Elle peut faire aider les gens. Il fait des choses encore plus intéressantes. Écoutons une autre réaction pour savoir plus. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, maintenant, je vais donner mon avis sur la croqueuse de diamant. La croqueuse de diamant, encore appelée Zaela de son vrai nom, est une jeune entreprenante qui fait dans la cosmétique la vente des produits, les gélules alimentaires, prise, perte de poids, qui travaille pour son entreprise depuis beaucoup d'années et qui œuvre beaucoup et qui a même eu beaucoup d'argent pour pouvoir mettre son entreprise à la une sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, la croqueuse de diamants sort et elle se met à partager l'argent aux gens. Beaucoup de personnes cherchent à savoir d'où vient cet argent. Belle question. Mais si vous arrêtiez de demander, elle devait se refroidir et s'arrêter. Chaque jour, les gens demandent de l'argent. Vous ne vous êtes pas posé la question, à qui est-ce qu'elle envoie cet argent? À qui elle envoie cet argent? Moi, je ne vais pas savoir ce qu'elle a fait pour avoir cet argent. Je m'en fiche. Je m'en fous éperdument. Pour moi, c'est qu'elle pose des bonnes actions. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Bye. Vous avez entendu ça? Mais est-ce qu'elle pose vraiment de bonnes actions?
Vous me regardez encore? Bonjour les amis, juste pour vous informer que c'est vraiment vrai que Croqueuse de Diamant partage de l'argent. J'ai reçu mon dépôt hier, un dépôt de 200 000 francs CFA, parce que j'ai critiqué trop ses vidéos. Je disais que tu ne partages que l'argent, je critiquais. Elle m'a envoyé 200 000 francs CFA. Massa! Hey! Oko! Allez demander pour vous, même si on ne connaît pas la provenance, allez demander. Vous voyez ça? Mais le truc, c'est que quelques temps après, elle-même, elle a changé d'avis. Elle a commencé à raconter d'autres choses qui ressemblent à beaucoup de choses que nous allons découvrir. Commençons par ça. Tout ça, c'est pour avoir les abonnés. Voici ça, madame. Voici son argent. Voici ça. C'est pas pour les abonnés. Elle m'a vraiment fait le dépôt de 200 000. Si tu veux, tu ne crois pas. Les Thomas n'auront rien. Et moi, je ne veux plus utiliser cet argent. Je vais partir envoyer. Tout ça, c'est pour avoir les abonnés. Tu as dit que c'est une mendiante d'abonnés. Mec de. Elle dit qu'elle ne compte pas utiliser cet argent. Qu'elle va envoyer. Elle va envoyer cet argent. Sérieux. Bon, allez-y, puis on passe à tous. Si elle t'avait vraiment donné, tu n'allais pas venir ici. Elle m'a vraiment donné. Je vais mentir pour gagner quoi? Je vais vous mentir pour gagner quoi? Hein? Je vais vous mentir pour gagner quoi? Ça, c'est quoi? C'est mon argent. Il fait quoi pour avoir l'argent ici? Elle m'a donné et je vais partager ça parce qu'il ne sait pas ce que j'ai fait pour qu'elle m'envoie ça. J'ai juste critiqué ses vidéos. Pour ceux qui demandent comment j'ai fait pour avoir là, moi j'ai juste critiqué ses vidéos. J'ai dit qu'elle n'a pas l'argent, j'ai dit qu'elle manquait, partage l'argent partout. Pourtant, elle ne partage pas et elle m'a demandé le numéro. Je pensais que c'était les plages. J'ai envoyé mon numéro et mon nom. Elle m'a fait le dépôt de 200 000 et j'ai fait le récré. C'est pas mon argent ici, je travaille qu'à pour avoir ça. Donc, si tu veux ta part, ma chérie, pas juste critiquer ses vidéos ou bien tu pars faire ce qu'elle te demande de faire. Moi j'ai critiqué ses vidéos parce que moi, ça ne m'intéresse pas trop ce qu'elle fait. Donc, j'ai critiqué. Je ne vais pas t'aider à ça, ça ne me sert à rien. Là, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. À rien. Ce n'est pas mon argent. Tu ressembles à une personne qui a reçu 2 francs. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a reçu 2 francs chez lui. Je ressemble à quelqu'un qui a reçu 200 000. Comptons ensemble. Ça, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 billets de 10 billets de 10 000 chez toi, ça fait combien? 100 000. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi l'argent n'a pas marché comme ça? 6, 7, 8, 9, 10. Plus 10 billets de 10 000 encore, ça fait combien? 200 000. Donc je ressens pas quelqu'un qui a reçu 2 francs, je sens pas quelqu'un qui a reçu 200 000. Et je vais partager. Vraiment, c'est grave cette affaire. C'est vraiment très grave. Certains y croient, d'autres n'y croient pas. Donc, elle veut vraiment prouver qu'elle a reçu de l'argent. Pour dire vrai, non, je n'ai vraiment pas besoin de cet argent. Je n'ai vraiment pas besoin de ça. L'argent que Croqueuse de Diamant m'a donné, il ne me servira à rien. Ça ne va vraiment me servir à rien. Donc, les 30 premières personnes à mettre en commentaire, je veux ma part. Je vais vous faire le dépôt. Vous mettez vos numéros MTN Mobile ou Orange Money en commentaire. Je vais vous faire le dépôt parce que l'argent ne va me servir à rien. Je n'aime pas l'argent genre comme ça. Je n'ai rien demandé, m'a juste donné de l'argent. Regardez. Vous-même, regardez. Regardez l'argent. Regardez. Les 10 000. Regardez. Je n'ai rien demandé à Croqueuse de Diamant. Elle m'a envoyé l'argent parce que j'ai critiqué ses vidéos. Je parle, je parle d'un truc. Vous dites que la preuve est où? Voici la preuve. Vous voulez que je parte et qu'il y ait les preuves? Voici la preuve que je vous fais ce soir. Donc, je n'ai pas besoin de cet argent. Les 30 premières personnes, je fais les dépôts. Mettez vos numéros en commentaire pour ceux qui veulent de l'argent. Waouh! Et les gens veulent vraiment avoir cet argent.
Écoutez ce que les gens disent. Je veux tout parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je vais purifier ça avec le sang de Jésus que je vais l'utiliser. Non, les gens veulent le recevoir, c'est d'ailleurs pour prier dessus et que Dieu va vraiment enlever toute malédiction là-dessus pour qu'ils puissent l'utiliser. Mais attendez ce qu'elle va dire. Doma, Dessane, tu veux tout. Donc, les autres n'auront rien. Toi, tu veux tous les 200 000. Ok, je vais te donner. Envoie le numéro. Hein? Vous avez entendu ça? Jusqu'à certaines personnes disent que oh, on va payer dessus, il faut nous envoyer, puis il faut nous envoyer tout. Tous les 200 000, on envoie tout. Les gens sont mauvais. Affaire de coqueuse et diamant. Après, c'est devenu une affaire de jalousie. Écoutons ça. Je vous ai prévenu ici que l'affaire de coqueuse et diamant allait créer beaucoup de séismes. Beaucoup de séismes. Vous voyez les jalousies de part et d'autre. Vous voyez des jalousies qui se créent de part et d'autre. Hein? Maintenant, ce que, oh, tu parles mal français. Maintenant, ce que, oh, tu ne sais même pas t'habiller. Tu as des chaussures de 5 000. Mon frère, est-ce que les milliardaires sont mannequins photo? Est-ce que les milliardaires sont modèles photo? Est-ce que les milliardaires sont... Vous avez déjà vu un professeur de français milliardaire? Vous avez déjà vu un professeur de français milliardaire? Moi, j'étais l'une des premières personnes à faire une vidéo sur cette fille. Mon problème, c'est qu'on veut savoir l'origine des fonds, l'origine des sous. Laissez un jugement de jalousie des filles frustrées là. Regardez comment toutes les filles sont frustrées. Dès que tu vois un commentaire négatif, il faut savoir que c'est une fille frustrée. Tu as suivi le français de Photo Victor, de regretter de moi. Tu as suivi le français que Photo Victor de regretter de moi parlait. Tu as suivi le français que mon camp Pascal, celui qui a rejeté la falaise, elle a parlé. De regretter mes mots. Vous avez, est-ce qu'il vous a dit que les milliardaires sont professeurs de français? Et donc, on a dit que oh, son français n'est pas bon, son français est ceci. Mais elle nous a dit qu'elle était anglophone. Elle nous a dit qu'elle était anglophone. Et qu'elle parle l'anglais. Elle a fait des études en anglais. Voilà, et elle se debouille un peu en français. Mais je pense que c'est plutôt de la jalousie. Vraiment de la jalousie. Mais il y a une femme qui a d'autres choses à nous dire sur le sujet. Elle a déjà nous dit par rapport à ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ces jeunes dames partagent l'argent et tout ça. Écoutons. Voilà la nouvelle influenceuse qui va faire parler les autres influenceuses. Vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que vous avez à faire pour les jeunes? Donc, si elle a peut-être cette bonne idée de partager, ça vous énerve, vous envoyez des pics de gauche et à droite. Je vais vous dire un truc. Certes, personne ne connaît l'origine de son argent, mais il y a plusieurs hypothèses. C'est une jeune, comment dire, elle est entrepreneur. Elle a des écoles, elle a une marque cosmétique, elle a sans citer les autres. Donc, arrêtez un peu. Ça peut être une stratégie de marketing, ça peut être. Genre une stratégie de beurs pour se faire réellement connaître, pour pouvoir vendre ses produits tranquillement, parce que nous savons qu'en Afrique, pour facilement réussir, il faut avoir un nom. Un nom qui va te permettre de progresser dans tout ce que tu voudras faire. Deuxième hypothèse, les gens disent qu'il s'agit d'une secte, et puis tu vas voler les âmes et tout. Ne prenez pas tout du mauvais côté. Hein. Moi, je me dis que c'est une stratégie. Donc, il faut se faire connaître pour facilement peut-être vendre ses produits, pour facilement peut-être... progresser dans la société, en quelque sorte, dans les autres influenceurs, calmez-vous un peu. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Pour elle, c'est probablement une stratégie pour se faire connaître. Vous voyez? C'est... Là, et maman, la vérité commence à sortir. La partenaire de Coco du Diamant dit la vérité. Regardez ça. Vous voyez ça? Mais qui est la partenaire de Coco Diamant? Apparemment, ce serait cette fille. Mais qu'est-ce qu'elle dit exactement? Je fuis d'abord. Elle dit qu'elle fuit d'abord. Maintenant, si vous voulez vous dire que je suis hypocrite, mais je fuis d'abord. Ma vie avant tout. Tout ce que vous allez dire après, ça ne me concerne plus. Je fuis d'abord. Ah! Mais un coup, si c'est la thune, toi, tu fuis, tu vas où? Adam! Elle dit qu'elle fuit. Quand? Sérieux? C'est un truc hors du commun. Ah,
Si elle, elle fuit là, nous on va faire comment? Elle va aller où? Nous on va fuir aussi. Sérieux. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Cette vidéo était longue, mais bon, il y a tellement d'informations là-dessus. Je n'ai pas voulu tout vous montrer dans cette vidéo. Peut-être dans les autres vidéos qui vont venir, vous allez recevoir d'autres choses encore. Si vous aimez, laissez beaucoup de j'aime pour m'en informer. Comme ça, je saurai que vous aimez cet épisode. Ok? Maintenant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est bon. Abonnez-vous pour cette vidéo. Et soyez prêts. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à activer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube Super Things. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Merci à toutes les personnes pour nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur... N'est-ce pas? Soyez prêts!